fois, mais il y a encore 50 ans. Les boulangeries, il y avait tout, tous les couleurs, tous les trucs et tous les cochons. C'était le bateau lavoir, là où il y avait les peintres, là où il y a les grilles, là-bas. Là il y avait Modigliani et Picasso, des tas de peintres de l'époque. Ça a brûlé en 67. Sur la place Émile Godeau. Donc ça n'a pas été détruit, mais ça a été refait en maçonnerie, non plus en comme ça l'est encore sur les vieilles cartes postales. Les gens s'imaginent toujours que c'est Montmartre, c'est pas ça. Les touristes, ils s'imaginent que c'est ça. Mais là, à droite, là, c'était une boulangerie depuis le 19e siècle. Ma poche, quand même. C'est ça, moi, là-haut. Expliquez-vous, Jean Montmartre. Mais à 60 ans que je suis là, il y a une évolution, les gens sont différents. Je ne sais pas vous expliquer, on va faire ça un jour en prenant l'apéritif. D'accord. Je crois que ce sera beaucoup mieux. La caméra, mais je l'ai laissé tomber par terre. Elle marche. L'artiste. On disait toujours, je vais au tertre, je monte au tertre, même si on habitait dans la maison à côté. Et alors, il y avait des jeunes qui ont commencé, mais gratuitement. Ils faisaient des trucs pour les copains, puis après, c'est... Et alors, pour avoir sa place, il fallait être en cheville avec le café d'en face, qui lui, en moyennant un petit chiche, vous gardez votre place. Ouais. Alors, quand il n'y en avait pas beaucoup, c'était bien, mais maintenant, ils se foutent sur la gueule, ils se foutent des chaises à travers la gueule. Façon, ouais. C'est, vous voyez la différence, enfin, ça s'est fait, mais ça s'est fait vraiment assez rapidement. Ouais. Comme d'habitude, le fric a tout détruit. C'est relativement proche du racket, à l'heure actuelle. Exactement. Ah, vous êtes témoin. Alors, moi, j'ai connu ça quand c'était... Ouais. J'avais des copains peintres qui avaient 21 ans. Ils sont tous morts, maintenant. Ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas dire. Ah ben, de toute façon, sûr. Dans un reportage. Hein, ah ben non, faut pas. Non, mais là, je vous dis. Ça, ce sont des vérités. Mais je veux que vous les connaissez. Hein. Oui, bien sûr. C'est pourtant la vérité. Mais... On se voit trop la face. Il y avait surtout un esprit de quartier. Bien sûr. Montmartre, c'était pas Paris. Ouais. Ah oui, c'était un village. Ah, c'était voilà. Un village. On est... C'était hors Paris. C'était hors Paris. Ils ont rien dans le citron et ils veulent faire croire. Ils ont pas lu un bouquin la plupart du temps. Pas tous, hein, pas tous. Moi, la littérature, c'est mon truc. Bon. Et quand on parle avec les gens, moi, je suis stupéfaite par leur inculture, surtout quand ils ont entre 25 et 40 ans. C'est incroyable. C'est